Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur le paramétrage de vos devis et de vos factures. Nous verrons comment, à partir d'un modèle proposé par Ciel Bâtiment, eh bien, vraiment l'adapter à l'image de votre société. Nous verrons comment alors insérer le logo et le disposer, je dirais, à un endroit différent par rapport à celui qui est proposé par Ciel, comment insérer des champs supplémentaires, comment également aussi, par exemple, eh bien, faire disparaître, je dirais, des zones qui ne vous sont pas utiles, je dirais, dans le devis. Il faut, dans un premier temps, pour pouvoir avoir accès, je dirais, au modèle des documents de vente, aller dans le menu utilitaire, paramétrage, édition. Ici, donc, nous allons choisir effectivement dans les ventes déjà les devis. Alors, c'est vrai que malheureusement, tout ce que vous allez faire dans un devis, eh bien, il faudra après effectivement le refaire, je dirais, dans tous les documents de vente que vous utilisez, aussi bien tout ce qui est bon de commande, bon de livraison, facture, même facture d'acompte. Donc, alors, c'est vrai qu'après, quand vous avez là, je dirais, l'expérience avec les devis, après ça va quand même relativement vite de faire la même chose sur tous vos documents de vente. Alors, ici, vous avez tous les modèles qui sont proposés par Ciel. Donc moi, je vais prendre par exemple le modèle sans fourniture. Donc là, je fais valider. Donc là, je vais vraiment avoir la main sur le modèle. Voilà. Alors, première chose déjà, on va voir comment...